Bonjour à tous et bienvenue sur Caradisiac. Vous êtes avec moi aujourd'hui en Slovaquie, non loin de l'usine qui fabrique la voiture qu'on va vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de la Kia Ceed de deuxième génération. Elle est aujourd'hui restylée. On va voir ensemble quelles sont les différences et si elle peut faire face à sa concurrence. Esthétiquement, les modifications portent sur les boucliers avant et arrière. Face avant redessiné avec un style un petit peu plus dans celui de l'Optima, un petit peu plus anguleux et dynamique. À l'arrière, le bouclier est lui aussi légèrement redessiné. Alors attention, on a ici une face avant de finition GT Line. Elle est introduite dans la gamme et elle reprend les attributs sportifs de l'ancienne finition GT, tout en étant disponible avec des moteurs un petit peu moins puissants. Donc vous le voyez, les feux de jour à LED, les anti-brouillards en dessous, un dessin assez sportif, assez dynamique, c'est assez sympa. Surtout dans cette couleur rouge. Dans l'habitacle de la Kia Ceed restylée, les évolutions se font vraiment dans le détail. C'est-à-dire que le dessin général reste identique, mais on note l'apparition de petites touches de chrome ici autour des aérateurs, autour de la base du levier de vitesse, ici des commandes de la climatisation. Mais globalement, on reste dans un univers connu. L'ergonomie est bonne. La qualité des matériaux a été légèrement revue à la hausse également. On va dire que c'est sérieux. Hein, c'est un petit peu en dessous du niveau d'une Golf, évidemment, dirais-je, mais c'est sérieux. Parlons maintenant de l'équipement, puisque Kia a profité de ce restylage pour l'enrichir. On pourra dorénavant disposer par exemple d'une petite caméra située ici et qui lit les panneaux routiers, et ensuite on retrouve la limitation de vitesse ici au milieu de son compteur. On a aussi une amélioration du système de parking automatique. On peut dorénavant se garer en créneau mais aussi en bataille, et la voiture peut sortir toute seule de son emplacement. On retrouve des équipements qui étaient déjà présents, le contrôle d'angle mort, le GPS ici tactile. Petite nouveauté cependant, on peut bénéficier de services connectés qui sont fournis par TomTom, avec par exemple des informations locales, la possibilité de consulter la météo. Et ces services qui sont payants parfois chez la concurrence sont offerts ici pendant toute la durée de la garantie, c'est-à-dire pendant 7 ans, tout comme les mises à jour du GPS qui sont également offertes pendant 7 ans. Pas de bouleversement au volant de cette Ceed restylée. Le constructeur a surtout porté ses efforts sur la maîtrise des vibrations et du bruit. C'est vrai qu'il y a une légère amélioration sans que ce soit non plus extrêmement flagrant. On a aussi l'introduction d'un nouveau moteur essence, un 3 cylindres injection directe turbo de 120 chevaux, 1 litre de cylindrée. Qui vient moderniser la gamme de moteurs essence qui effectivement était assez ancienne chez Kia. Mais ça n'est pas celui que nous avons aujourd'hui à l'essai. Nous avons le 1,6 litre diesel CRDI qui gagne 8 chevaux avec ce restylage. Désormais, il fait 136 chevaux. Il gagne un petit peu de couple également, 20 Nm pour atterrir à 285 Nm. Eh bien, c'est un moteur agréable à utiliser, souple, de bonne reprise, surtout quand il est couplé ici avec la nouvelle transmission à double embrayage, désormais 7 rapports, qui permet de gagner un petit peu en vivacité et en consommation. Consommation qui malgré tout reste un petit peu élevée par rapport aux standards de la catégorie. C'est un petit peu le souci depuis le début avec les diesels qu'il y a. On va dire 7 litres en moyenne, c'est pas, voilà, sans être une catastrophe, c'est pas la panacée. Sans ça, c'est vraiment cette Kia Ceed, une compacte qui est facile à conduire. On se sent bien en sécurité à l'intérieur et ça, c'est plutôt agréable. Et par rapport à ses concurrentes, Golf 308, elle démérite pas du tout. La Kia Ceed n'avait pas à rougir avant son restylage par rapport à ses concurrentes dans les catégories, mais cette petite mise à niveau, une esthétique un petit peu plus dynamique, la mise à disposition de nouveaux équipements lui permet de rester dans la bonne moyenne, vraiment dans ce peloton des meilleurs compacts en Europe. Au niveau des tarifs, Kia a profité de ce restylage malheureusement pour les augmenter de 400 euros en moyenne. Donc la gamme démarre à 17 900 euros avec le petit moteur essence. Elle culmine à 29 400 euros en break avec le gros diesel et la boîte à double embrayage. Alors en facial c'est assez cher, mais le rapport prix-équipement lui est toujours relativement favorable, surtout qu'elle est toujours garantie 7 ans. Sachez que cette Kia Ceed restylée est d'ores et déjà disponible en concession.